to those who chase the same clout. The pollen floating through the industry got this congested. I'm XXL if they fit the pen in. Fuck who they pick as freshmen. I SMS it, DM it, and double send it till they get the message. I road trip the left with nothing. I've been in the city of angels long enough to sit and question their successes. Who they paying, who they get in bed with. Ooh, I can't trust a nigga. You rub a nigga wrong. Heard to get to your position that you suck a nigga off. And cover ups are troublesome. What's up? They hear a couple months to back up on the struggle. Ah, vous énervez pas. Je viens du sud. Ah, c'est normal. Eh ouais. Ah bah oui. Eh ouais, nous on est calme, on est détendu dans le sud. Ah oui. Bon là les gars, je suis dans le Uber. Direction récupération de pièces créateurs pour le tournage. Parce qu'il faut que je sois présentable quand même. Ça va bien ? C'est quoi cette veste de malade que t'as sur toi ? C'est Kiss. Ça va ? Ça va, tu vas bien ? Ouais. Lourd. Ça ? Bon les gars, ça c'est l'homme de l'ombre. C'est lui le magicien. Ouh. Putain. Ah, c'est vrai. Magnifique. Parfait. Avec la tenue que tu as là sur toi ? Ouais, je vais juste mettre un t-shirt d'une couleur. Couleur, ouais. Ouais. Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est lourd. Machine. Bien, ouais. Ah, c'est ce que tu lui as créé, ça ? Ouais. Ah ouais, ça trop ça. C'est pas mal, hein. Regarde ce qu'il a fait. On se rejoint avec Anto, là. Et on va faire un petit check de tout ce qu'il a. Et on va continuer à voir ce qu'on peut optimiser durant la journée. Sachant que le tournage est demain. J'ai choisi un hôtel juste à côté du lieu de tournage. Ah, ouais, premier arrivé. Bonjour. Bon, les gars, il vient d'arriver. J'ai une sale tête. Ça va ou quoi ? Ça va très très bien. Ça va ? Ah mais là t'as triché, là les gars en fait il a déjà une veste qui n'est ouais, bon, pas censé porter. C'est pas normal pas ça. Sinon, parce que la veste elle prend vraiment beaucoup de place. Et il vient d'arriver avec... Ah ouais ok putain, ok. Bon bah en même temps... Ok on avait dit qu'on faisait pas un relooking à moitié donc c'est plutôt cool. Oh yo les gars, là on est arrivé à l'hôtel avec Anto, j'ai fait quasiment tous les essayages des tenues qu'il avait. Donc là ce qui est hyper intéressant en fait comme situation, c'est que normalement tous les membres de l'Académie du Style, toutes les personnes que j'accompagne en ligne, voilà, ils commandent, ils reçoivent, ils essayent, je leur fais le feedback. Sauf que là avec Anthony j'ai pas fait ça. Avec Anthony j'ai fait exprès de tout lui faire commander. Il reçoit, il essaye, je lui dis juste filme-toi, je lui donnais aucune indication contrairement aux gens que je coach. Et du coup il s'est fait son avis tout seul et surtout... Il m'a expliqué qu'il a eu l'avis de tout son entourage. Donc en fait, il en a eu de toutes les couleurs, quoi. Donc moi, je me suis assuré que tout ce que je lui ai fait commander aujourd'hui fonctionne et il y a certaines choses qu'il va falloir que je change, des ajustements à faire. Ah, il y a des pantalons qui vont pas, on va chercher autre chose. Donc j'ai déjà fait tous mes repérages parce que j'avais déjà vu ce qui n'allait pas. Je voulais juste voir pourquoi c'était pas le cas. Si c'était niveau taille, si c'était niveau style, si c'était niveau ajustement, bref, il y a plein de choses. Donc voilà, là j'ai pas encore modifié toutes ces perceptions parce que je veux le faire le jour de tournage, c'est plus rigolo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, quand vous avez votre avis et que moi je suis pas intervenu en process, votre avis ne peut pas compter. Parce qu'il y a plein de choses qui, si elles ne sont pas dans le contexte comme il faut, ça peut être juste une manière de porter. Eh bien, on peut ne pas voir le potentiel d'un vêtement. C'est extrêmement important à voir. Sinon, on peut passer vraiment à côté d'une pièce incroyable. Et là, je l'ai vu, hein. Je lui ai dit non, ça tu le mets à l'intérieur, ça tu le mets à l'extérieur, ça tu le mets comme ci, ça tu le mets comme ça, et ça change tout. Et j'ai essayé de pas trop faire pour que vous ayez vraiment ces réactions le jour du tournage, de la transformation. On va aller essayer des nouvelles pièces. J'ai trouvé des pièces de dingue. J'espère qu'ils les ont en boutique, parce que je les ai vues en ligne, mais j'espère qu'elles sont en boutique. Je prends l'appareil photo avec moi et on y va. Allez, c'est parti. Ça va, monsieur le ministre ? Allez, let's go. Désolé pour l'attente. Bonne journée. Most of y'all cannot imagine being a ghost, a clown. Not respected or connected when the modem's down. And quick to form the clowns whenever. Du coup, on vient de sortir de chez Kiss et monsieur vient d'avoir un coup de cœur. Sauf que c'est un coup de cœur à 4 chiffres, donc c'est un coup de cœur sur lequel il faut être maîtrisé. Donc on a mis la pièce de côté, on l'a réservée parce que j'ai d'autres choses à lui faire essayer. Et les coups de cœur c'est cool, mais pas au début. Donc voilà, on a déjà plein de choses. Toujours voir par rapport au budget, est-ce que c'est smart d'acheter ou pas. Et là, comme je lui ai dit, pour un prix qui est genre 10 fois inférieur, on peut avoir une pièce qui peut le faire tout autant qu'il fait, peut-être même plus. On a juste réservé la pièce avant de faire n'importe quoi.
not a gift. Had to get it on my own terms. I designed the blueprint, studied it. Bon les gars, fin de journée, je m'assois en terrasse parce que je suis éclaté. On a vraiment couru dans tous les sens avec Anto aujourd'hui. Grosse frustration parce que j'y avais trouvé une veste. C'est une veste créateur de folie. Bon, je citerai pas la marque parce que leur SAV est vraiment à chier. En fait, ils ont pas de boutique. Impossible de réussir à avoir un rendez-vous. Trop relou, donc vraiment dommage. C'est probablement une pièce que je vais lui faire commander quand même, même après la vidéo. Donc là, la plus grosse galère, ça a été de trouver le pantalon que je voulais pour lui. Il y avait soit pas sa taille, soit pas ce que je voulais. Donc un peu relou, mais bon, on peut pas tout avoir. Et c'est pour ça que coacher quelqu'un sur un laps de temps court, ben c'est handicapant. C'est pour ça que je fais plus ça et que je fais que des accompagnements long terme. Parce que ça m'assure de pouvoir réussir à trouver les pièces qui correspondent aux attentes de mon client et qui sont selon moi ce qu'il y a d'optimal en termes de pricing, en termes de style, en termes de... sur tous les points finalement. Bon là on avait une journée mais ça fait plusieurs semaines que je travaille sur son profil suite à ce qu'il avait reçu. J'ai fait les ajustements que je pouvais aujourd'hui mais j'ai pas pu avoir tout ce que je voulais donc bon bah ça fait partie du jeu. Demain je vous filmerai les coulisses du tournage, je vous dis à demain. Hop in the car, watch it go vroom, vroom. I told them all that I blow soon, soon. New as a child, back in the womb. Oh, told them step back, I need more broom, vroom. Bon, attends, tu me fais une coupe. Je trouve ça un peu trop poussé. La Rosta, fais voir la tenue. Recule un peu. Ouais. Il manque un peu de goût. Bon, on a fait l'intro, la présentation, là, on passe à l'épisode transformation avec Nathan, le barbeur. Bon les gars, pendant qu'il y en a un qui se fait transformer, moi je suis en train de préparer toutes les tenues, tous les outfits, ici et là. Je suis en train de préparer, de faire le repassage, mon gars. Un vêtement par passé peut vous donner l'impression qu'il ressemble à rien. C'est vraiment des petits éléments, mais durant les essayages, chaque détail compte. Donc, je suis en train de tout préparer. On est un peu dans le rush. On a le studio jusqu'à 18h. Il est 15h. Ça va être complicado. Ça va être en plus à l'impro. Mais bon, ça va être kiffant. Allez.